Salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, je vous retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière puisque souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais présenté dans les combos à sensation la Mercedes C9 qu'on avait mis, la Mercedes Sauber C9 qu'on avait mis sur le tracé de la Nordschleife. Live. Vous pouvez trouver la vidéo en haut à droite, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Et ma prestation était franchement absolument dégueulasse. Et je me suis dit, je vous avais même dit à la fin, j'aimerais bien à l'occasion le refaire, essayer de faire quelque chose d'un petit peu mieux. Et je me suis dit, vous savez quoi, je vais carrément pousser le vice encore plus loin, puisque je vais faire ce tracé-là de la Nordschleife, non pas sur du sec, mais véritablement sur du mouillé, des conditions mouillées. Et je voulais aller vraiment au bout du bout pour voir un peu les sensations que ça procure, et je peux vous garantir que c'est exceptionnel. Ce que vous allez voir là, alors, pas le pilotage, on s'en fout du pilotage. Le pilotage est relativement moyen. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est véritablement les sensations. Les sensations qu'on a dans cette configuration-là, parce que là, vraiment, j'étais focus sur la conduite, je n'avais pas besoin de parler. D'ailleurs, ce que vous allez voir, il y aura zéro commentaire, c'est juste brut de décoffrage, une vidéo que j'ai faite. Donc rien, vous allez juste voir l'immersion totale sans avoir mes commentaires ni ma tête. Vraiment du pur brut, voilà, tout simplement. Et franchement et honnêtement, j'ai pris un panard monstrueux, c'est exceptionnel. J'aimerais tellement que ce type de contenu ne soit, soit tout simplement une vitrine ou en tout cas une opportunité pour vous montrer à vous l'intérêt que ça vous donne envie d'y aller sur le VR. Parce que franchement, quiconque teste une fois le VR et qui n'est évidemment pas sensible au motion sickness, qui n'est pas sensible à tout ce qui est mal du transport, j'entends bien, mais pour le reste, quelqu'un qui a la possibilité de tester un PlayStation VR et qui, il faut quand même aussi le concéder, a la possibilité financière de mettre l'argent nécessaire pour en faire l'acquisition, franchement, c'est de la bombe atomique et donc j'aimerais tellement que ça vous donne envie, j'espère en tout cas que ça vous donne envie, mis à part ma conduite qui est absolument dégueulasse, mais j'aimerais juste que cette vidéo en tant que telle vous montre à quel point, de mon côté, j'ai pris un pied monstrueux. C'est effrayant, vraiment c'est effrayant, sous la pluie, la Nordschleife avec cette voiture-là, c'est littéralement effrayant, je me suis fait quelques frayeurs, je l'ai faite en 4 ou 5 tournages cette vidéo, parce que j'ai pas réussi à faire beaucoup mieux. En insistant, j'aurais pu faire mieux, oui, mais voilà, j'ai pas non plus 4 heures à tourner pour essayer de faire une vidéo, mais le peu que j'ai pu tourner, voilà, le pied. Je vous invite à regarder la vidéo tranquillement, vous mettez la tête reposée là-dessus, vous me direz évidemment ce que vous en pensez, et d'ailleurs, dans la vidéo, vous allez me dire, vous, dans les commentaires, surtout dans les commentaires plutôt, qu'est-ce que vous pensez de ces types de vidéos sans commentaires, zéro commentaire, juste une vidéo comme ça que je vous poste par-ci, par-là. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous intéresse? Ou est-ce qu'à la limite, vous préférez avoir des commentaires? Ou est-ce qu'à la limite, tout simplement, c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas? Dites-le-moi dans les commentaires. Bref, les amis, je vous laisse avec le contenu de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus si cette vidéo vous a plu. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure en VR, soit la semaine prochaine, puisque c'est tous les vendredis. Salut à tous et bon visionnage.